Hein? Les rudes. Les mains, ça va? Pas de... Non, ça va. Ça va, ça va. Tout va bien, tout va bien. Parfait. Très bien. Dites-moi, parce qu'une aventure, bien sûr, en chasse une autre. Je vais demander à Gaël de suivre Passe-Temps. Gaël, nous allons te préparer une petite surprise. Ça va lui faire plaisir. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Tiens, d'ailleurs, en parlant de surprise, Jean, tu vas être là, je pense, bien servi. J'ai deux petites choses à te dire pour te rassurer. D'accord. La première, c'est que l'action se situe sous cette trappe. Ah. Et que cette trappe est habitée par des créatures qui n'ont, heureusement pour toi, ni pattes velues, ni crochets, ni dards. Tout bien. Heureusement. Je suis pas sûr que ce soit. Je te laisse imaginer le reste. Hein, il t'est donné les pattes, je pense. Moi qui suis claustrophobe et que je n'aime pas les bêtes. Ah, je suis vraiment désolé pour toi, mais c'est ainsi. Et alors, deuxième bonne chose qui devrait te rassurer, c'est que l'ensemble de l'équipe est de tout cœur avec toi. Oui, ça, je tu peux compter sur nous. Tu peux compter sur nous. À l'extérieur, n'oublie pas une seule chose, c'est que l'indice est ici. Et donc, il est impératif que tu ramènes pour ton équipe le code qui permettra donc, bien sûr, d'ouvrir la boîte. Et Passe-Partout, ouvre donc la trappe. Vous allez m'expliquer. Ne tardons pas plus. Le code est divisé en deux parties, oui. D'accord. Donc, tu dois trouver deux morceaux de papier et non pas un. D'accord. D'accord. Alors, il y a une petite échelle, voilà, qui te donne Passe-Partout. Oui. Que tu vas utiliser pour aller dans la trappe. Ah, bravo, voilà. Parfait. On regarde... Bonne chance, Jean. C'est parti. Regarde ce que Jean va faire. Alors, Jean va donc se confronter au serpent. Moi qui ne supporte pas les serpents. Je crois que c'est toi qui as très peur des serpents. Hein. C'est alors, qu'est-ce que je dois faire? C'est Qu'est-ce que je dois faire? Vas-y, qu'est-ce que tu dois faire? Alors maintenant, tu rentres. Tu rentres vers ta gauche. Oui. Tu rentres. Allez, il faut vraiment y aller franco. Hein, alors, je vais à gauche. Là aussi, tu as un temps imparti. Et quand le temps sera terminé, tu te retrouveras dans le noir avec les... D'accord, mais à gauche, à quel endroit? Donc là, tu vas tout droit, et normalement, soit sur ta droite, soit sur ta gauche, d'ailleurs, sur ta droite et sur ta gauche, tu as des trappes. Oui. Qu'il va falloir que tu ouvres. Oui. Il se peut que les papiers soient à l'intérieur de ces trappes-là. Ce n'est pas une certitude, je ne sais absolument pas où sont les papiers. Tu vois, il y a un serpent. Tu vois le serpent? Encouragez-le, hein. Sur ta droite, je regarde. Oui. Il y a une trappe pour la... Voilà, alors tire je crois que c'est une corde. Tire la corde. Tire la corde là. Laquelle? Une corde. Laquelle? Je vois là, le serpent, sous le serpent. Tu vois, il y a un serpent. Attends, qui... Voilà, il y a d'accord, oh putain. Voilà, voilà. Tire cette corde. Doucement. Tu sais, Jean, il faut que tu retires le serpent avant. Il faut retirer le serpent. Prends-le d'un coup, Voilà, léger. C'est un ami à toi. Tiens-le, par contre, ne fais pas tomber. Tiens-le, imagine qu'il est en plastique. Voilà. Prends les deux mains. Utilise tes deux mains. Bien joué, Jean, il faut vraiment se dépêcher. Voilà, ça y est, super. Les chiffres, il les a pas encore. Il faut qu'il trouve un petit morceau de papier qui sera enroulé dans un serpent. Dans un serpent. Il n'y en a pas beaucoup. De ce côté ou plus loin? Ça peut être dans ce côté. Il faut sortir le serpent. Il faut que tu cherches un petit papier. Donc il faut que tu les touches. Ça va, là, le logo. Voilà, merci. Le logo, voilà. Voilà. Celui-là. Quand tu vois un serpent un petit peu enroulé, porte-y la question particulière. Doucement. Il y a un papier dedans. Il y a 25 de points. 25 de points, donc ça veut dire que 25, c'est le premier. Bravo, Jean. C'est la moitié du travail. Maintenant, il doit y avoir un autre serpent dans cette cage. Oui. Qui contient un autre morceau de papier. Avant, c'est un panier, il doit y avoir des serpents dedans. Oui, exactement. Bah, peut-être qu'il y a un papier dans le panier. Allez, j'ai de soulever. Là. Mais je peux rien te confirmer parce que je ne sais absolument pas où se trouvent les papiers. Alors, on arrive là. Et là, c'est pareil, il y a 62 et 2 points. Je crois. Bravo. Non, c'est 2 points. 2 points 29. 2 points maintenant, génial, Jean. 2 points 29, c'est... Alors, tu le reposes doucement. Et alors, non, attends, Jean, je préfère que tu restes à l'intérieur. Okay. Donc, ils n'ont pas ouvert le coffre. D'accord, pas très loin. Tu peux venir, tu peux revenir, mais voilà, je préfère que tu restes là-bas. C'est bon, ressort. C'est bon. Bravo. Et vous commencez bien la matinée, là. Deux aventures, deux indices, c'est parfait. Super, Jean. Oh, putain. On va quand même accueillir Jean. Bonjour. Elena. T'énerve pas, Jean. Donnez-la. Pour accueillir Jean. Il n'y a plus de serpent. Il n'y a plus de serpent. Avec les jambes. Il m'en a plus qu'une. Et oui. C'est ça, en fait, d'avoir. Je m'avais dit qu'il y en avait deux.
Vous avez peur? Oui. C'est vrai? Allez. Mais t'as contrôlé, hein? T'es en froid incroyable. Mais contrôlé, je transpire. Oui, c'est vrai qu'il est en âge. J'ai rien contrôlé. Ça donne quoi la sensation? Je t'expliquerai ça. Un cri de guerre, peut-être? On en a pas fait ce matin. Le cri de guerre, vous en souvenez? C'était, je sais pas. Allez, je vous fais un décompte. 1, 2, 3. Caramba, t'es